mon frère, bonjour ma sœur, aujourd'hui 5 mai. Ah, aujourd'hui. Est-ce que je vais prendre un thé ou un café? Telle est la question. Un café, chérie, c'est ce que tu préfères. Un café, voilà. Un café ma femme bien me connaît. Fort. Mon frère, ouais. Ma sœur, sers-lui un café bien fort. Les Italiens, nous aimons bien ce petit café qui est vraiment corsé, qui nous tient réveillés pendant 3 jours. Nous aimons quand c'est corsé. Et c'est pour ça que ma foi, je veux qu'elle soit corsée amen. Comme le café, mon amen, frère, ma sœur. Amen. Je veux qu'elle soit vraiment corsée, mon frère, ma sœur. Oh, aujourd'hui 5 mai. Aujourd'hui 5 mai. Regardez, Actes chapitre 3, verset 16. C'est facile à retenir parce que nous connaissons tous Jean 3, 16. Mais Actes 3, 16 n'est pas moins fort. Regardez, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Par la foi en son nom ». Je ne sais pas si vous connaissez, si je vous dis l'apôtre de la foi. C'est un homme pour moi qui est formidable, cet homme. Cet homme dont je vais vous parler aujourd'hui est vraiment, vraiment... Je sais que je ne lui arrive même pas à la cheville, même pas, je ne sais pas si... Je crois que je peux juste dépasser un petit peu la plante de ses pieds tellement il avait une de ses foi, mon frère, ma sœur. Et nous avons besoin de témoignages comme ça pour grandir dans la foi, mon frère, ma sœur. Nous devons travailler notre foi, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que nous avons fait avec Karine cette émission, parce que nous aussi, nous voulons grandir, mais nous voulons aussi faire grandir les autres, mon frère, ma sœur. Nous ne voulons pas garder les choses rien que pour nous. Nous voulons, Dieu est en train de se charger d'une armée, mon frère, ma sœur, d'une armée qui va combattre dans le spirituel, mon frère, ma sœur, qui a compris quelle est son identité, quel est son appel et quelle est la vérité de la parole de Dieu, qui ne s'arrête pas dans les choses religieuses, mais qu'il s'appuie sur la Bible, sur la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, disait le psalmiste. Amen. Regardez ce témoignage de cet homme qu'on appelle l'apôtre de la foi, Smith Wigglesworth. Au pays de Galles, Smith Wigglesworth entendit parler d'un homme nommé Lazare. Il avait travaillé toute la journée dans les mines d'étain et prêché tous les soirs jusqu'à ce qu'il s'épuise physiquement. Il contracta la tuberculose et fut grabataire pendant 7 ans. Un jour que Wigglesworth prêchait au Pays de Galles, le Seigneur lui dit « Je veux que tu ailles ressusciter Lazare ». Wigglesworth trouva d'autres croyants et se rendit chez Lazare. Ils entourèrent son lit en répétant le nom de Jésus jusqu'à ce que la puissance de Dieu tombe. « Voilà votre guérison !» lui annonça Wigglesworth. Lazare commença à parler à voix basse. Alors, Wigglesworth s'approcha pour pouvoir l'entendre. « J'ai été amer par le passé. » Il avait cru à la guérison divine. Quelqu'un l'avait oint d'huile, mais rien ne se passa. Il était furieux contre Dieu. Je vous ai dit tantôt, il prêchait, hein. Il était furieux contre Dieu, puisqu'il pensait que Dieu ne l'avait pas guéri. Wigglesworth lui annonça de se repentir pour que Dieu lui pardonne. Lazare se mit à pleurer. « Dieu, pardonne-moi d'avoir été amer. La guérison existe et m'appartient, je la reçois. » Lazare se leva du lit, s'habilla et descendit l'escalier pour entrer dans le salon. Le soir, il témoigna lors d'une réunion en plein air. Ce qui m'impressionne fut le fait qu'ils entourèrent son lit en répétant le nom de Jésus tout simplement. À mon avis, on ne comprend pas la puissance de ce nom, hein? On le répète, Jésus, 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 d'une manière religieuse. Non, non. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Amen. Sur lequel tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est plus bas que terre doit plier les genoux au nom de Jésus. Et ta maladie doit plier les genoux. Et non seulement elle doit plier les genoux, mais elle doit partir de ton corps, de ta maison, de ton quartier,
en rampant comme un serpent, mon frère, ma soeur. En rampant, elle doit dégager de ta vie. Elle doit être hors de ta vue, mon frère, ma soeur. Elle doit quitter le territoire où toi tu habites, mon frère, ma soeur. Elle doit aller dans les lieux arides. Elle doit aller sécher là-bas comme un poisson qu'on met séché dehors. C'est comme ça que la maladie doit être. Elle doit être séchée, mon frère, ma soeur. Séchée. Elle ne doit plus donner vie. Elle ne doit plus procurer du mal à autrui, mon frère, ma soeur. Certains disent que la guérison et les miracles n'existent plus, qu'ils ne se passent plus de nos jours. Mais à la lumière d'Actes chapitre 3, verset 16, c'est comme si l'on disait « Le nom de Jésus ne vaut rien et n'appartient plus à l'Église d'aujourd'hui. » La foi en ce nom n'existe plus. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et ça, mon frère, ça, c'est l'église de Satan. Ça, ce sont les serviteurs de Satan. Ça, ce sont les anges de Satan qui disent ça. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Amen. Il ne change pas. Amen. Mais gloire à Dieu, nous, au sein du Bon Samaritain, et toi qui écoutes cette émission Foi et Guérison, tu t'alignes que le nom de Jésus est encore puissant aujourd'hui. Amen. Pour guérir, pour pardonner les péchés, Amen. Pour délivrer les captifs, pour soigner dans l'âme. Oui, oui. Amen. Dis oui avec moi. Oui, oui. Oui. Je le crois. Oui, Amen. Nous le croyons. Amen. Nous. Amen. Mais gloire à Dieu, le nom de Jésus nous appartient pour toujours et éternellement, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Waouh, quelle onction, quelle onction, quelle onction. Merci. Ouh, que cette onction se déverse sur ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que nous avons cette chance, ce privilège d'avoir accepté ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tous les autres noms, parce que Jésus-Christ a été obéissant à la volonté, au plan que Dieu avait prévu pour sauver l'humanité tout entière. C'est grâce à son obéissance jusqu'à la mort, que Jésus a obtenu ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Quand l'enfer entend le nom de Jésus-Christ, eh bien il tremble. Amen. Il tremble devant ce nom tout-puissant. Pourquoi ? Parce que le nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a une puissance extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de tout sur la croix, de toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Tout a été accompli par l'œuvre de la croix. Le nom de Jésus-Christ est assez puissant pour te guérir de toute maladie. Le nom de Jésus-Christ est assez puissant pour te restaurer de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. De restaurer ton âme, d'effacer toute blessure qui est dans ton âme. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de toutes choses terrestres et célestes. Le nom de Jésus-Christ a de la puissance dans le monde visible et dans le monde invisible. Quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, l'enfer tremble. La joie s'active dans les lieux célestes. L'armée céleste se met en marche quand le nom de Jésus-Christ est relâché. Amen. Et c'est ce nom que je veux relâcher sur ta vie, mon frère, ma sœur. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ que je suis fort et que je reçois ma pleine santé.
comme la foi dans le nom de Jésus a ressuscité Lazare. Il l'a fait lever de la mort. La mort n'a plus eu aucun pouvoir sur Lazare. Amen. Quand le nom de Jésus-Christ a retenti dans les cieux, Lazare s'est levé. Lazare a été ressuscité. La vie lui a été rendue. Oui, ce même nom, le nom de Jésus-Christ, me relèvera de la maladie, me relèvera de la mort, Amen. Me relèvera de mes blessures, Amen. Me relèvera de tout ce qui vient m'anéantir et m'oppresser, Amen. De tout ce qui vient m'enchaîner. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, les prisons s'ouvrent. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute Amen. Maladie, et c'est la guérison qui prend sa place. Amen. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous le déclare, vous êtes guéri. Amen. Je ressens en cet instant que certains ont eu des maladies à cause de paroles prononcées par d'autres personnes. Et je voudrais, en tant que pasteur, prier pour toi. Toi qui on a décrété des maladies. Toi qu'on a dit que comme ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père ont eu cette maladie, tu l'auras aussi. C'est à toi que je parle. Tu mets ta main sur ta tête maintenant. Père, tu vois tes enfants, Seigneur, qui ont reçu des paroles de malédiction, où certains ont fait un fil conducteur. Ils se sont convaincus qu'ils allaient avoir tout ce que leurs ancêtres ont eu. Au nom puissant de Jésus, Père, j'abolis cette malédiction. Amen. J'abolis ces pensées, Seigneur. Au nom de Jésus, je les abolis. Au nom de Jésus, je les libère de ce passé. Je les libère grâce au nom de Jésus. Seigneur, que toutes ces personnes retrouvent la joie de vivre, retrouvent la pleine santé, retrouvent la guérison, reçoivent le miracle. Alléluia. Au nom de Jésus. Toute parole de malédiction qui a été lancée contre toi, mon frère, ma sœur, pour te rabaisser, qui t'a blessé, meurtri dans ton âme, mon frère, ma sœur, toi aussi, mets ta main sur ta tête. Père, au nom de Jésus, par l'activité du Saint-Esprit, tu envoies ta parole maintenant, tu les guéris intérieurement, Amen. Dans leur émotionnel, Seigneur. Oui, ils ne retourneront plus en psychiatrie. Non, c'est fini. Seigneur, tu fais la tendance inverse. Toute parole de malédiction, toute parole qui a été lancée dans le monde occulte de la sorcellerie est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, toi qui as commis des avortements, mets ta main sur ta tête. Au nom de Jésus, que cet esprit de mort quitte ton corps. Retire la culpabilité, Père. Saint-Esprit, active. Active la vie maintenant, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Au nom de Jésus. Toute cellule cancéreuse qui est dans ton corps, mon frère, ma soeur, mets ta main sur ta tête. Toi qui as subi le cancer, les cancers, Père, au nom de Jésus, je sèche tous ces cancers. Amen. Je le fais tomber maintenant en poussière par la puissance et par l'activité du Saint-Esprit. Saint-Esprit, active-toi dans la vie de mes frères et de mes sœurs et fais disparaître toutes ces maladies, au nom de Jésus. Toute parole de malédiction lancée par le médecin disant « Il ne te reste plus que X jours, X mois, X années à vivre » soit abolie dans ta vie. Elle tombe maintenant au nom de Jésus. Tout problème au cerveau maintenant
est résolue par l'activité du Saint-Esprit maintenant. Oui, Saint-Esprit, renouvelle, régénère toutes les cellules mortes, toutes les cellules cancéreuses, tu les retires au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus un seul cancer dans le cerveau de mon frère, de ma sœur. Il n'y a plus un seul cancer dans le corps de mon frère et de ma sœur, dans tout son corps. Tout est aboli au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu prends la pleine activité de leur corps maintenant. Tu les possèdes. Ce n'est plus la maladie qui les possède. Ce n'est plus les métastases qui les possèdent. C'est le Saint-Esprit maintenant qui les possède au nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas toi, mon frère, ma sœur, mais moi, quelle onction j'ai ressentie. Ma sœur. Bénis-les. Je suis fatigué dans l'esprit. Je suis fatigué. J'ai relâché toute la force que j'avais. Seigneur, nous voulons accepter toute parole que tu as relâchée par la bouche de ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que mes frères et que mes sœurs, Seigneur, puissent recevoir, Seigneur, ces paroles, Seigneur, dans l'esprit. Seigneur. Qu'ils puissent les laisser descendre dans leur corps, dans leur cœur, Seigneur. Et se dire, oui, le serviteur a parlé de la part de Dieu. Je reçois, j'accepte ses paroles et je reçois ma guérison. Seigneur mon Dieu, tu as rétabli toutes choses. Premièrement, tu as rétabli la vérité sur ma vie. Et deuxièmement, tu as rétabli ma santé. Tu m'as redonné la joie. Tu m'as restauré dans l'âme. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu viens d'opérer encore aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour où le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout symptôme, de toute souffrance, de toute maladie, au-dessus de tout. Oui, je reconnais que le nom de Jésus-Christ est assez puissant pour rétablir pleinement ma vie, amen, pour la restaurer là où elle a été brisée par l'ennemi. Maintenant, Jésus-Christ opère une pleine restauration, corps, âme et esprit. Seigneur, je reçois encore aujourd'hui. Je refuse l'héritage de mes ancêtres. Amen. Je refuse la maladie, quel que soit son nom, quel que soit son temps qui a été établi dans mon corps. Je le refuse, amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'accepte maintenant mon héritage, celui que Jésus-Christ m'a donné. Je le reçois pleinement dans ma vie. Merci Seigneur encore pour ton amour à mon égard, pour le temps que tu as pris pour me parler aujourd'hui. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli en ce jour et je témoignerai de toute la vérité que tu as accompli dans ma vie. Merci Seigneur, merci, merci au nom de Jésus. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Je suis certaine qu'elle sera excellente parce qu'elle a bien démarré encore aujourd'hui. Donc je vous souhaite une excellente journée dans les bras du Père. Recevez toutes vos bénédictions. Seigneur, ordonne à la bénédiction d'accompagner mes frères et sœurs encore en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous demain. À demain. À demain.